Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Ça chauffe du côté du Taïwan. 38 avions militaires chinois pénètrent son espace aérien du jamais vu. Avant d'entamer le sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir toutes les vidéos de la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour encourager la chaîne et partagez-la pour assurer une diffusion large de cette vidéo. Ça nous vient de toute urgence de Taïwan. Ce samedi matin, les autorités taïwanaises ont annoncé un nombre impressionnant d'avions de guerre chinois qui ont pénétré l'espace aérien du pays. Selon des sources généralement bien introduites, pas moins de 38 avions militaires chinois se seraient introduits dans la zone d'interdiction de défense aérienne de Taïwan. Selon les mêmes sources, un premier lot d'appareils, parmi lesquels figuraient des avions de chasse, des bombardiers et un avion de lutte anti-sous-marine, ont fait incursion dans l'espace aérien de Taïwan. Puis dans la nuit de vendredi à ce matin, un second lot de 13 avions s'est introduit dans l'ADIS. Il faut dire qu'après la première incursion, les militaires taïwanais ont fait décoller leur propre avion pour ordonner aux avions chinois de se retirer. Le 1er octobre est un jour mémorable pour l'Empire du Milieu. Il marque l'anniversaire de la Chine communiste. C'est à cette occasion et après les dernières accusations contre la Grande-Bretagne que la Chine a exhibé ses avions de guerre pour montrer sa puissance. Cet événement n'est pas une première, mais c'est la première fois qu'un nombre aussi important d'appareils de guerre chinois pénètre la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Ça promet de chauffer. Votre chaîne préférée Akhbar al-Bled vous promet de suivre l'affaire de près et de vous informer à chaque fois qu'il y a du nouveau. Cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir la notification de chaque nouveauté sur la chaîne. À bientôt.